Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes devant vos petits écrans pour me regarder. Quand je m'approche devant vous dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous, nous, Claude Perrault-Louara, de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Décrit Info est un magazine d'opinion. Décrit Info est un magazine de points de vue. C'est un éditorial, comme on appelle en journalisme. L'éditorial est tout simplement un genre, une manière de faire dans lequel... Un genre dans lequel le journaliste ou lui ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position, pour donner des points de vue par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui arrive. Voilà. Donc ici je viens, je prends des questions importantes d'actualité, des questions qui retiennent vraiment l'actualité, je le mets sur la table, je les décortique en leur donnant un sens, une forme. Je dis, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'est l'année. Moi, que Perrault-Louara, je pense que si on l'avait fait comme ça, ça aurait été mieux plutôt que d'y aller comme ça. Donc j'épilogue. J'ergote autour de mes idées. Je viens relayer tout simplement mes opinions et mes idées. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais plusieurs autres émissions. Quand je suis arrivé ici aussi, j'ai commencé aussi une autre série d'émissions. Mais ma capacité de production n'est pas pareille comme à Kinshasa. À Kinshasa, ceux qui avaient l'habitude de me suivre s'en souviendront. Par jour, ils avaient 3-4 émissions le jour. Parce que moi, le travail fait vraiment partie de mon quotidien. J'ai été construit, je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Ce que je suis, c'est vraiment les fruits des efforts énormes. Et j'ai appris trop tôt, trop jeune à cravacher, à trimer pour gagner son petit pain. Je grandis comme ça avec l'aide de ma mère. Et donc, quand j'étais à Kinshasa, c'était possible pour moi de vous proposer 2-3 émissions. Vous suiviez Décrit Info, vous suiviez à l'OCPL, vous suiviez Contre nous soit dit... Vous suivez d'ailleurs sur le chemin de la vérité. Il y avait un certain nombre de choses qu'on concoctait, mais il est vrai quand même qu'ici, la capacité réduite des productions ne nous permet pas de pouvoir nous émouvoir et de vous proposer ce que vous voulez. Mais on tente de faire de notre mieux pour que vous soyez là, pour que vous soyez satisfait du travail que nous faisons. Merci beaucoup. Ici, ce que j'ai dit n'est pas du tout une parole d'évangile. Je voudrais le répéter comme j'ai toujours l'habitude de les répéter. J'expose mes propos étant pris de vos critiques. Je viens, j'ai dit, voilà ce que moi j'ai dit. Critiquez-moi comme vous voulez. Voyez les choses comme moi, voyez les choses contre moi. C'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Parce que moi, je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Je suis pour une société de débats. Je suis pour une société de contradictions. Je suis aussi convaincu que nous pouvons être unis, nous pouvons être ensemble, mais dans la diversité, mais dans la divergence, on peut trouver l'unité. Être divergent sur le point de vue, des convictions, des valeurs, d'opinions, n'est pas du tout une raison pour nous distendre, pour nous créer des problèmes. Malheureusement, les fainéants et les incompétents qui sont arrivés dans mon pays au pouvoir sont en train d'exacerber... une sorte de fossé entre le Congolais, on commence à se rentrer dedans, à se tirer dessus pour des petites choses, ça ne me fait pas du tout plaisir. Donc, bienvenue à vous tous, nous sommes jeudi aujourd'hui, je viens pour parler de 2-3 petites choses, comme nous avons toujours l'habitude de faire. Mais avant de commencer cette émission, j'avais prévu vraiment de venir vous dire merci, la main sur le cœur, pour tous vos messages des vœux, tout ce que j'avais prévu, j'ai dû arrêter ça pour des raisons d'actualité. La manière de vous dire merci, bien sûr, je suis pas un fêtard comme Helmut Ngeleka, je ne le suis pas du tout.
j'avais prévu vraiment de manière assez spéciale vous dire à vous, mes nombreux téléspectateurs, mes followers, tous mes soutiens, merci parce que hier c'était mon anniversaire. J'ai vu l'amour. J'ai l'impression que j'avais pris en otage les réseaux sociaux. J'ai vu des centaines et des milliers de personnes que je ne connais pas me mettre à la une de leur page. Je recevais les appels de mes amis que je connais pas. Ils disent, mais je viens de voir ma mère te mettre sur son statut. J'ai vu mon oncle, j'ai vu mon cousin. J'ai dit, mais je n'ai pas son numéro, comment je veux voir? Je viens de lui poser la question. Il dit, il t'aime. Donc, il y en a eu beaucoup comme ça qui m'ont publié, qui m'ont envoyé leur force. Et je me suis vraiment senti aimé. Je me suis senti heureux. Vraiment, vous m'avez rendu heureux hier. J'avais vraiment prévu, au courant de cette émission, au début de cette émission, de venir d'une manière particulière vous dire merci. Mais j'ai dit à mes équipes que cette émission, je l'ai fait sur un ton lugubre. Vous savez que l'actualité reste dominée par l'assassinat de Chérubin Okende. J'ai eu du mal à quitter mon lit. J'ai tellement du mal à faire cette émission parce que je le connaissais personnellement. Parce que pour moi, il a toujours été un grand frère. J'ai fait des choses avec Chérubin Okende. Je parle bien avec Chérubin Okende. Je l'ai connu trop jeune. Quand je vais rentrer en profondeur de cette émission, j'aurai peut-être la force de vous dire comment on s'est connu, qu'est-ce qu'on a déjà fait ensemble, et savoir qu'il a été assassiné dans les conditions dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Je ne peux pas me perdre ça. Tout ce qui me reste plus qu'à vous dire, vraiment la main sur le cœur, c'est de vous dire merci. Merci partout où vous êtes dans le monde pour vos messages. Merci pour vos publications, merci pour vos souhaits, merci aussi pour vos cadeaux. J'ai vu aussi que sur mon compte PayPal, P. Louara, notre ami vous montre d'ailleurs, PLouaraRDC@gmail.com. J'ai vu que vous avez été des dizaines à m'envoyer un peu d'argent sur ces comptes PayPal. J'ai vu des personnes m'écrire pour me dire, Péro, j'ai pas besoin d'argent, j'en ai pas beaucoup, je t'envoie $5. J'ai vu une maman m'appeler des Colouisi pour me dire, Péro, j'en ai pas beaucoup, est-ce qu'on peut envoyer en francs congolais? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu des gens m'envoyer un $10, un $20, un peu de partout. Je me suis dit, mais je suis heureux d'avoir cette communauté, cette famille s'appelle. En tout cas, à vous tous et à vous toutes, je voudrais vraiment la main sur le cœur vous dire merci. Vous m'avez extraordinairement touché. Vous avez touché ma sensibilité. Vous avez touché mon amour. J'ai compris que dans les difficultés qui sont les miennes, loin de ma famille, loin des personnes que j'aime, parce que là, c'est quand même la deuxième année d'affilée que je suis en train de passer mon anniversaire, loin des personnes que j'aime. Et j'ai compris que, non, il y a beaucoup d'autres personnes qui m'aiment, qui me soutiennent, qui m'ont dans leurs prières. Je voulais vraiment vous dire merci. Merci pour vos cadeaux. À tout celui qui a envoyé $1, $2, quelqu'un m'a écrit, mais est-ce que son bitembo, son bitiva? Pero on a tiné le 30 euros, son bat ruinard. Ruinard, déjà, la Congo, ruinard, ils ont 30 euros tête. Non, c'est quand il y en a, oh, non, ils ont fêté, non, mais la maille. Même si je veux fêter, ruinard, ils ont 30 euros tête. Ruinard a 30 euros. Mais bon, seulement cette attention-là que vous avez manifestée à mon endroit, je vous dis vraiment la main sur le cœur, merci. Merci beaucoup. Il y en a aussi qui m'ont appelé, qui voulaient m'envoyer des cadeaux en espèces. Non, plutôt des cadeaux en... Voilà, comment je peux dire ça? En matériel. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas accepter des cadeaux en matériel. Vous pouvez vous rendre compte de pourquoi. Donc, ça n'a pas été... Pour des raisons de méchanceté, je ne pouvais pas, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de bien-être de vous et de moi, donc je ne pouvais nullement accepter des cadeaux en matériel, parce que vous savez, les conditions dans lesquelles on vit et la méchanceté des personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà, deux, trois petites choses à dire avant de commencer cette émission. Je n'ai pas trop l'habitude, je n'ai pas envie de vous prendre trop de temps. La première des choses que je vais vous dire, sincèrement, c'est de pouvoir vous abonner. On va aller très vite. Je vais regarder si vous êtes à combien à l'heure où je suis en train de faire cette émission. Vous êtes nombreux certainement à me regarder. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est de regarder la personne qui est à côté de vous. C'est de faire un peu l'évangéliste. Si il n'est pas encore abonné, demandez-lui
de le faire. C'est aussi une manière pour vous de me soutenir et de m'aider. Nous sommes à 98 000. Waouh, extraordinaire. 98 000, donc 98 000. Je pense que dans les jours qui arrivent, on va bientôt atteindre 100 000. Il ne nous reste plus que 2 000 abonnés pour que Tocom en a 100K. Ça me fera vraiment plaisir. Ça me fera plaisir. Donc 88 000 abonnés ou 98 000 abonnés pour nos amis qui sont à Paris. Merci beaucoup. Merci, la main sur le cœur. Boutalan Negoza Pembeni, s'il n'est pas encore abonné de CPL, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Demandez-lui de nous envoyer ses forces en s'abonnant. C'est une manière pour vous aussi de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voulais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Le like, j'aime, les partages, c'est vraiment des véritables parades. C'est des véritables parades qui nous permettent évidemment de pouvoir nous mettre à l'abri quand des personnes de mauvaise foi s'élèveront pour dire trois choses, signaler telle. Mais si vous aimez, si vous êtes nombreux à pouvoir aimer la vidéo, ça nous permet de nous mettre à l'abri et ça nous préserve. Donc aimez la vidéo que vous regardez, faites-le s'il vous plaît, ça me fera énormément plaisir. La troisième des choses que j'allais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé, Betokos, Betokolilo. Je ne fais pas trop de publicité aujourd'hui, nous sommes en deuil. Judith est donc notre partenaire. Regardez les vestes que nos amis de la régie qui sont là-bas sont en train de vous montrer. Mr. Jason, are you there? Ok, toutes ces vestes-là, chaussures, cravates, chemises, ces vestes, ces smoking, sont donc disponibles à la boutique de notre amie Judith Londolé Betoko, Betokolilo, Betokos. Si vous voulez donc vous habiller clairement, vous voulez habiller vos amis, vous voulez habiller vos frères, regardez Judith Londolé Betoko qui est là. Commandez donc vos vestes, commandez vos chaussures, commandez vos montres, commandez vos sous-vêtements, vos maillots de corps, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est notre amie Judith Londolé Betoko. Vous pouvez l'appeler. Son numéro, c'est +33 62 60 70 772. +33 62 60 70 772. C'est donc par là que vous pouvez joindre notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Allez, voilà, on revient sur ce plateau. Deux, trois petites choses à dire. La première, je voulais présenter mes condoléances à une CPLoise qui est parmi aussi nos fidèles. C'est Emeros Bouzissa. J'ai appris qu'il a perdu son grand frère. J'ai même vu les communiqués quelque part. Est-ce que je vais le retrouver? Laissez-moi regarder. Peut-être que ça permettra aussi de passer le message à nos amis. CPL est une famille. CPL est une famille. J'ai lu ça quelque part. Mais j'ai dit, mais cette famille, je connais la personne. Laissez-moi regarder juste. Peut-être que ça me permettra de passer le message à tous nos amis qui sont à Kinshasa. Voilà. Monsieur Guillaume Bouzissa. Monsieur Guillaume Bouzissa est donc décédé à Kinshasa. Monsieur Guillaume Bouzissa est donc le grand frère de notre téléspectatrice Emérance Bouzissa. Emérance, en tout cas, au nom de tous les CPLoises et de tous les CPLois, je voulais vraiment te présenter nos condoléances les plus attristées, les plus émues. Je voulais ici saisir l'occasion, prier le Seigneur pour que Dieu accorde sa grâce et un repos éternel à l'âme de ton frère. Donc, courage à toi, courage à ta famille, Emérance Bouzissa. Nous sommes de cœur avec toi. J'ai vu ce message quelque part. Je voulais vraiment te présenter mes condoléances ici. Je voulais aussi dire grand merci à Liliane K. Maman Capite. Liliane K, Maman Capita. Je voulais aussi dire merci à Victoria, à Kikwit, Lukemi, et à Victorine Levo, je crois. C'est sa sœur. Ils sont toujours ensemble. Merci pour vos cadeaux et merci pour vos messages des souhaits. Ça m'est arrivé. C'était tellement particulier, vos voices. J'ai suivi ça avec chaud au cœur et je vous dis merci. Judith, j'ai pas besoin de te dire merci. Tu le sais. Toi, tu es un partenaire privilégié, un partenaire des dedans. Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betokolilo. Toi-même, tu sais, donc, on n'a pas besoin. Yo, bah, Makeli, tout ça, là, on tellement trop, on n'en a pas besoin. Allez, on revient sur ce plateau. Les amis, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit au départ de cette émission, j'ai eu du mal à me réveiller. J'ai eu du mal à me réveiller. Je suis allé au sport hier. Je vous ai dit que c'était mon anniversaire, mais comme je ne suis pas un fêtard comme Helmut Ngeleka, j'ai décidé de fêter dans la méditation. J'ai fait mon sport hier. Je suis rentré
dans ma salle de sport et dans en descendant, parce que la salle de sport se trouve dans pratiquement dans l'immeuble, en descendant j'ai fait une fausse marche et j'ai eu une petite douleur, mais bon, je suis tellement passionné des gym que je suis quand même allé. J'ai quand même fait un effort pour y aller. J'ai fait mon sport matinal. Quand je suis rentré, la petite blessure m'a tellement embêté que je suis allé dormir tôt. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas commenté l'actualité hier. Je n'ai rien fait hier. Et j'ai eu du mal à quitter les lits aujourd'hui. Jusqu'à ce que je me réveille. Le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone. Et je tombe sur cette nouvelle catastrophique, mes chers frères. Je tombe sur cette nouvelle catastrophique. L'assassinat de Chérubin Okende. Je vais vous dire la vérité, j'ai vraiment eu du mal à me lever de mon lit. J'ai fondu en larmes parce que je l'ai dit au départ de cette émission, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Donc l'émission d'aujourd'hui se tourne vraiment sur un ton lugubre. Nous sommes en deuil. Moi personnellement, je suis en deuil. La démocratie congolaise est en deuil. La République est en deuil. La République est en deuil. La politique congolaise est en deuil. Parce que nous venons de perdre un de nos meilleurs soldats. Un monsieur très, très intelligent, très, très ouvert. Je dirais deux, trois choses. Donc, l'émission sera, la grande partie ou la partie importante de l'émission sera consacrée à Chérubin Okende. Je vous dirai ce que je pense de son assassinat, du mobile. Et je vous parlerai même de l'assassin. Qui est l'assassin pour moi? Vous me connaissez, je ne suis pas trop ma langue en poche. Je mettrai à votre disposition les premiers éléments à ma disposition et je vais tenter de dire deux, trois mots sur cette question-là. Ne me tenez pas à rigueur. Je sais que vos fans disent que vos fans sont les gens qui sont les gens. Et à la bonne chose. Dans mes listes, nous avons entretenu le bon vin, c'est à la fin là-bas. C'est comme on dit, la fin justifie les moyens. Il faut aller vers la fin. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que la Bible dit. Je vois que vous me tenez trop rigueur. Mais Perrault, pourquoi tu commences d'abord par ceci? Pourquoi tu commences d'abord par cela? Non. Commençons d'abord par des petites choses. Et puis, l'émission, la partie importante, la partie de la fin, je reviendrai longuement, alors très longuement, sur l'affaire, l'assassinat de notre grand frère, Chérubin Okende. J'ai vu cette semaine d'ailleurs, j'en ai parlé un peu en passant, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a déchu M. Godempoy. J'ai vu M. Godempoy être déchu. Pour ceux qui ne connaissent pas Godempoy, c'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai toujours considéré que c'était un faux pasteur, un charlatan. Il a donc été déchu. J'ai vu une image de lui circuler dans les réseaux sociaux qui m'a tellement fait rire. Je vais dire juste deux, trois petites choses, mais rigoler un peu avec moi en regardant ces images. Et je dirais deux, trois choses, on va passer. Allez, si la régie est d'accord avec moi, on suit les images de Godempoy. Retour sur ces plateaux. Là, vous venez donc de suivre. On vient de m'envoyer une information. Je voulais. Ce sont ce que vous appelez talibans là, des opportunistes. Les images que vous venez de regarder, c'est donc des images d'un type folklorique. Notre ami est en train de vous montrer en filigrane pour que vous regardiez. Des gens qui croient que l'église est devenue une sorte de cirque.
Ces charlatans qui est en train de se prélasser, se mettre en spectacle en public, trompant les gens qu'il est en train de chanter et de prier pour, de danser pour Dieu, s'appelle Godin Poi. Godin Poi est un homme orgueilleux, très très orgueilleux, est un faux pasteur. Un faux pasteur en col pastoral qui croit qu'il est l'homme le plus intelligent de la République en parlant qu'il a des diplômes. Très sincèrement, j'ai été heureux d'apprendre qu'il a été déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vraiment, les gens m'ont appelé pour me dire, mais comment tu peux te réjouir parce que c'est Jean-Tini Ngobila qui... J'ai toujours dit que Ngobila était aussi un numéro, était un incompétent comme lui, Godin Poi. Comme lui. Mais... Ceux qui s'attendent à côté Libango, Babundi, Bango, Nabango, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que la ville de Kinshasa se débarrassait d'un escroc au nom de Godin Poi. Il reste maintenant à faire partir aussi un autre Django qui est à sa tête, qui s'appelle Jean-Tini Ngobila. Ils sont deux qui ont mené notre capitale vers l'abîme. L'un est tombé, l'autre est resté. Ils se sont rentrés dedans pour des raisons d'intérêt personnel. Jean-Tini Ngobila a créé une dynamique au sein de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa qu'on appelle Dingom. C'est dynamique Jean-Tini Ngobila. C'est-à-dire, il a sur les 48 députés provinciaux de Kinshasa, une trentaine de députés qui sont à sa solde. Pour que vous vous rendiez compte de là où la République est en train de partir. Dans ces trentaines de députés, il les engraisse chaque fin du mois en leur donnant plus de 3 000 $ américains au-delà des émoluments qu'ils reçoivent, qui se chiffrent aux alentours de 8 000 $américains. Il leur fait des dons, il leur fait des cadeaux. Et ceux-là sont à ses ordres. L'Assemblée provinciale, censée contrôler l'action de l'exécutif provincial, est donc à la solde de l'exécutif provincial. Et pendant 4 ans, la tête pensante ou la tête dirigeante de cette mafia à la tête de la ville de Kinshasa s'appelait Godin Poi. Même si elle faisait des semblants, elle faisait ses pitreries en vous racontant « Eh Miyibi, eh Kanga Miyibi, eh » Le plus grand Moyibi Aliboso, c'est lui-même Godin Poi. Il a autorisé à Jean-Tini Ngobila d'emprunter la ville en termes de millions de dollars américains en violation totale des règles. La ville est aujourd'hui endettée. Ils ont cassé les marchés de Kinshasa. Bakendeko de Fambongo, soit disant ça là. Jusqu'aujourd'hui, lui, Godin Poi, nous a dit que d'ici décembre, on va inaugurer les marchés. Rien. Il nous a dit que depuis que Kinshasa existe, jamais Kinshasa n'a eu un gouverneur, un exécutif comme Jean-Tini Ngobila. Aujourd'hui, je l'entends s'embrouiller nous dire, non, Jean-Tini, je lui avais dit, monsieur, fermez. N'ayons qu'à Godin pour critiquer Ngobila, parce qu'il représente Bissot comme un bon gouverneur. Il représente Bissot comme un bon gouverneur. Ils se sont embrouillés pour des raisons d'argent. Godin Poi est allé prendre de l'argent à la banque, à Defi Badjip, à Zumbongo, à Sombeli Mouassine, à Edjipou Prado, 80 000. Yemoko à Sombeli Lexus, 120 000. Azan a Prado Moussousou à Somba 100 000. Et il croyait que Jean-Tini Ngobila allait payer l'argent. Jean-Tini avait accepté de payer l'argent. Je vous dis deux, trois choses de ce qui s'est passé. Mais ils se sont brouillés. Pourquoi? Parce que Jean-Tini Ngobila lui avait demandé d'entrer dans son parti politique qui s'appelle ACP. Jean-Tini a fait un parti politique et il avait dit à Ngobila d'entrer dans son parti politique. Et plutôt à Godin Poi. Godin, au départ, il avait accepté, mais comme il est orgueilleux, croyant être plus intelligent que tout le monde, aux dernières nouvelles, Godin a créé son propre parti politique, soutenu par l'acteur de films de la pornographie, Mukuna et les autres. Je vais vous montrer leurs images. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais en parler pour Nakota na image, Johan. Étant donné que Godin Poi avait créé son parti politique, aux yeux de Jean-Tini Ngobila, Godin Poi n'était plus un allié, mais c'est plutôt un adversaire politique. C'est comme ça que Jean-Tini Ngobila a décidé de fermer les robinets. Et les problèmes ont commencé par là. L'argent que Godin Poi recevait, gracieusement, les pots de vin, la corruption qu'il recevait, Jean-Tini Ngobila avait coupé. Et Jean-Tini est allé dans sa circonscription à Bandalungwa. Il lui a créé un opposant
un adversaire qui s'appelle Lévi Paï. C'est un petit que je connais, un jeune homme avec qui je parle bien d'ailleurs, un jeune frère, j'ai grandi avec lui, je connais bien son père, l'ancien bourgmestre de la ville de Kinshasa, Lévi Paï. Moi j'habitais Timasi numéro 40, Bandal Bisengo, les gens qui connaissent, connaissent. Je crois que les petits Lévi, avec son père, ils habitaient juste au coin de notre avenue. Ça doit être Timasi numéro 36 ou 34. Donc on était. Donc je connais bien le jeune homme. Donc Gentini a fait de ce jeune homme-là l'adversaire principal d'Ngoumila dans la commune de Bandalungwa. Et les problèmes ont commencé par là. Alors Gentini va appeler les députés provinciaux de Kinshasa pour leur dire, écoutez, Ngoumila ne vous dit pas la vérité. Voici ce que j'ai déjà donné à Ngoumila. Comment? À Godempoï. Godempoï a une maison à ma campagne, du côté Esbaï. Cette maison-là a été achetée par Gentini Ngoumila. $650,000 américains. Corruption. Quand je parle des faux pasteurs, quand je parle des escrocs en col pastoral, Godet a accepté la corruption de Gentini Ngoumila qui lui a acheté une maison de $650,000. Regardez comment les gens jouent avec l'argent de votre pays. Ma compagne du côté des Esbaï, il lui a acheté des jeeps, Lexus. Il a posé la question au député provincial. Vous avez une seule jeep, vous savez pourquoi lui il en a trois? Parce que moi je lui ai payé. Il a montré tous les avantages, les soins médicaux des députés provinciaux. Ngoumila envoie l'argent, Godempoï détourne cet argent. Il leur a montré des preuves. L'argent des émoluments de Mike Mukebai qui était en prison pendant 12 mois, Godempoï s'est permis de lui-même de bouffer cet argent-là. Gentini a amené toutes les preuves. Il a monté les députés contre Godempoï et on a chassé Godempoï. Moi, je suis content qu'on chasse Godempoï parce que pour moi, ce n'est pas un homme digne, un faux pasteur. Babengani ka deux jours, namoni a kondi, a fionouki, a noanouni. Ozui. Comment moutou ane combien le rôle a ya? Namoni, a yindi na koinda. Bota image bon, la sabino image de ya. Moi, moi, il bezara pas si Godempoï. Babengani au gaga 3 jours. Au comme le roi Moutabé Telika Ketoum. Mais nous, nous devons nous estimer erreurs. 2 ans en exil, je suis là. Naye Baka, il vous souviendra. Quand j'ai fui, j'ai fait une première émission, j'en ai fait une deuxième. Et une troisième, j'étais malade. Je dois vous avouer que j'étais malade. Mais comme ça avait fait du temps que je n'avais pas pris, que je n'avais pas fait l'émission, et puis à cette époque-là, il faut quand même qu'on se les dise. Helmut Ngeleka avait vraiment monté des gens qui me fouillaient, qui... C'était terrible. Ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis passé, j'ai fait une émission, ça je n'oublierai jamais, c'était ma troisième émission. La première c'est que je parlais des libido, la deuxième je parlais des voyages qu'il avait fait en Côte d'Ivoire et j'ai fait la troisième. Maman, Bakenda Bazulinga Bafoto Babi, avant, après. J'ai vu des personnes que j'aime en larmes pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde comment tu es devenu. Je leur ai dit, mais c'est le combat, qu'est-ce que vous croyez? C'est le combat. C'est la lutte. Je n'ai pas besoin moi de venir mais vous impressionner. Je n'ai pas besoin moi de venir donner l'impression d'un tape-l'œil. Mais quand vous nous regardez, nous autres ici, pour chasser, commando à gauche, et les mannequins Chibango à droite, en train de les chercher. Mais nous paraissons mieux que le Godin pour qu'ils soient à Kinshasa. Babenga n'ira qu'à 3 jours, comme il aura là, tout. Moni mwa mouibi, hein. Bino bozo sarananza, bozo kansanza, baza mastanabino. Tala Godin n'a komi. A comme il aura pas ta farine et quand il est vu, donc, ils se sont rentrés dedans pour des raisons d'intérêt égoïste qui n'ont rien à voir avec les Chinois, qui n'ont rien à voir avec la ville de Kinshasa. Je ne voulais pas parler de Godempoï. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai vu un autre conglomérat de gens qui se disent être des pasteurs aller soi-disant soutenir Godempoï. Parce que c'est le conglomérat d'Avaro. Et en tête, qu'est-ce qui est là? L'acteur de film pornographique Pascal Moukouna. Toujours, là où il y a toujours Makambo Mabé, Moukouna le fils de Belzeboul doit toujours être là. Moukouna le fils de Belzeboul. J'ai vu les pasteurs aller voir Godempoï pour soutenir Godempoï. La régie va vous montrer cet extrait là.
Si nos amis qui sont là-bas sont d'accord avec moi, regardons d'abord ce que disent les soi-disant pasteurs. Je dirais deux, trois mots et puis on va aller à autre chose. Nous, membres du Haut Conseil des Églises de l'Éveil, le père des leaders des Églises de l'Éveil dans notre pays, nous sommes venus témoigner notre solidarité auprès de notre président, qui en même temps le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes venus témoigner notre solidarité en même temps pour dénoncer la manière dont les choses se sont produites. Sachant qu'il est en repos médical et nous pensons que les choses ne pouvaient pas se passer de cette manière-là, il fallait attendre qu'il se rétablisse. Et nous dénonçons cette façon de faire. Nous, pères et leaders des Églises de l'Éveil, nous réclamons un minimum de respect et de considération à notre égard. Nous sommes dans une année électorale. Et souvent, les candidats vont dans nos églises pour parler. Mais la manière dont un de nous a été humilié, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons un minimum de respect à notre église et à l'égard de tous ces hommes de Dieu qui ont battu un travail, qui continuent à battre un travail magnifique dans ce pays. Où on a vu des vies transformées, des familles transformées, des villes transformées. Et nous dénonçons cette façon de faire les choses. C'est donc ces groupes de gens qui se présentent comme étant des pasteurs qui sont allés soi-disant consoler Golden Point. Je ne voulais pas parler de Golden Point, mais c'est cette image qui m'a amené à parler de Golden Point. J'ai suivi Albert Kankienza, que je connais aussi. J'ai fait beaucoup d'émissions avec le pasteur, l'évêque Albert Kankienza, avec qui j'ai de bons rapports. J'ai vu le pasteur Kiziamine là-bas. Je le voyais avant de partir à Kinshasa parce qu'il fréquentait la même université que moi. Vous savez que moi, avant de partir, j'avais repris mes études pour faire le droit. Par passion, c'est une science que j'aime beaucoup. Et lui, il était l'aîné de mon université. Moi, j'étais en deuxième année de graduat quand je partais, quand j'ai fui. Lui devait être en première année de licence. Je crois en première année. Je crois qu'il a terminé cette année ou l'année passée. À part ça, je connais quelqu'un avec qui je fréquentais, qui venait aussi. Donc moi, à un moment donné, j'ai fait des émissions avec les pasteurs. J'étais ami aux pasteurs, on se connaissait. Mais je suis quand même choqué d'entendre certaines choses que Kankienza a dit dans ces vidéos-là. En gros, Albert Kankienza appelle les gens à respecter les pasteurs. Je voudrais ici dire à monsieur Albert Kankienza que le respect ne se demande pas. Le respect se mérite. Vous n'avez pas à vous approcher devant les micros pour nous demander, nous, pour demander aux Congolais, pour demander au pays de respecter les pasteurs. Vous devez, vous, faire que vous puissiez mériter le respect, l'honneur. Le respect ne se demande pas, il ne se commande pas. Et aujourd'hui, vous devez vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne vous respecte plus? C'est vous! Vous, les pasteurs, tels que je vous ai vus là, vous faites la honte de Dieu. Être pasteur au Congo n'est plus un sujet d'honneur à cause de vous, tels que je vous vois là. Qui est là? Ejibaya Mampia, Albert Kankienza, Mukuna, l'impudique. Mukuna, l'impudique. Les nudistes Mukuna. À côté, je vois Kiziamine. Si je dois ouvrir seulement les livres, les premières pages sont noires de vos histoires sales. On ne peut pas vous respecter. Pourquoi vous voulez qu'on vous respecte? Dès lors que vous-même, vous ne vous respectez pas. Je suis malheureux, malheureux de voir dans ces groupes un homme pour qui j'ai énormément de respect. Le pasteur Espérance Mbakadi. S'il vous plaît, mes frères. Je sais que les enfants de Manguembo, vous êtes partout dans le monde. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, coupez, envoyez au pasteur Espérance Mbakadi. Sortez du milieu de ces gens. Qu'est-ce que le pasteur Espérance Mbakadi fait avec ces gens ici? Qu'est-ce que le pasteur Espérance Mbakadi va gagner en fréquentant ces gens qui n'ont plus bonne réputation sur la terre des hommes? Manguembo est une église sérieuse, Manguembo est une grande église, Manguembo est une église installée. Le pasteur Espérance fait quoi? J'étais malheureux, je ne savais pas que le pasteur Espérance se promenait avec ces gens.
ces chercheurs d'argent. Quel honneur a le pasteur Espérance Mbaka d'aller s'afficher à côté d'un type comme Mukuna. Un impudique, Dieu l'a déjà abandonné. Un brigand. Quelqu'un qui a laissé sa nudité sur la place publique. Il était à Renaissance. Aujourd'hui, il a créé des partis politiques. Pourquoi les pasteurs Espérance s'affichent là-bas? Les Albert Kankienza, les Sonny Kafuta, tout le monde sait qu'ils ont... Pasteur Espérance, je vous en supplie, sortez du milieu de ces gens. Sortez du milieu de ces gens. Sortez du milieu de ces gens. Mais nous, on a un pasteur Roland Gedalo qui n'a pas bloqué à bateau. Est-ce que quand les... celui qui est décédé, Nani... Non. Parce que le pasteur Espérance était là-bas. Moi, j'ai prié à l'église de Mangembo. J'ai grandi à l'église de Mangembo. J'ai servi Dieu à l'église de Mangembo. Mais je suis malheureux de voir le pasteur Espérance Mbakadi se promener avec ces gens ici. Nous les connaissons. Ils se sont des chercheurs d'argent. Ils nous disent à nous, les pasteurs méritent respect. Nous n'avons aucun respect pour vous, c'est parce que le respect ne se commande pas. Bambusu sou bazumi takala batena mesa, bazu ba divorce batena mesa, bo soni makamambongo tozo komona, bo koti mamba politique tozo komona, bo tiki mitakala, mukuna ndumba, yozo toko respecte binote. Le respect ne se commande pas, le respect se mérite. Albert Kankienza botika makelele. Vous allez soutenir Godem Poi. Quand Godem Poi volait l'argent à la tête de la ville de Kinshasa, où étiez-vous? Des complices des voleurs. Godem est un détourneur, un faux pasteur. Un faux pasteur. Il a fait arrêter les gens. Combien? Car à la moindre poste qui président de l'Assemblée professionnelle, appelle ça qui est à mon équipe, on dira Simbi Mokil. Vous là, vous allez nous demander de vous respecter en allant soutenir Godem Poi. Où étiez-vous quand Godem Poi prenait la maison? 650 000 dollars. Ngobila lui a acheté une maison à ma campagne à côté de Spaï pour le corrompre. 650 000 dollars. Vous, ce collègue pasteur, vous étiez où pour lui dire tu n'as pas les droits de prendre des corruptions parce que tu es pasteur? Vous étiez où? Albert Kankienza. Ejibayaman Pia. Kiziamina, vous étiez où? Tolembibino, ma pasteur. Tolembibino. Tolembibino. Godem Poi est allé prendre de l'argent dans des banques. Il a autorisé des opérations mafieuses. Yaba Nyongo, Yenangobila. Où était ce pasteur pour dire à Godem Poi qu'il est pasteur, il ne doit pas faire ça? Godem est allé prendre des jeeps pour sa femme et tout ça. Il a mis ça sur le compte de la ville pour de Kinshasa. Où vous étiez? Albert Kankienza, vous étiez où? Vous venez vous afficher pour dire aux gens, vous devez respecter les pasteurs. Aucun respect. Nous sommes heureux qu'un faux pasteur, un charlatan comme Godem Poi ait été chassé. Vous n'allez pas utiliser Dieu comme une marchandise pour nous faire peur. Pasteur. Non. Pas pour des gens qui ont laissé leur nudité sur la place publique comme Mukuna. Pas pour eux. Pas pour vous. Les vrais pasteurs au Baye Banite, Bansa Moussala Nzambe, Bazali na Congo, Bassala Kouma, quel est le logo de la binoté? Quelqu'un? Bakei ba soani na nenga na bango moyibi na bango na ville à Kinshasa? Babe bani polo makamambongo. Bayokanite, vous allez vous afficher avec vos bibles sous les aisselles pour nous intimider en nous disant respecter les hommes de Dieu. Quels sont les hommes de Dieu dans ce pays-là? Les hommes de Dieu existent. Mais c'est pas ce que j'ai vu là. C'est pas ce que j'ai vu là. Bozum toulou à Mukuna. Bo commissier, bo tchebeli boso. Mukuna, pasteur, Mukuna. Pasteur Espé na bonelio. Pasteur Espérance Mbakadi na bonelio. Au moins, Makambo, na le baron. Na le baron, m'a mort. Parce qu'il y a mon image à pasteur. Tchè la nga wan filigrane. Ba toi, pasteur Espé, peut-être barobo na. Na le baron, m'a mort. Parce que j'ai vu l'image de pasteur Espé là-bas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens? Qu'est-ce qu'il est. Il part chercher là-bas. Qu'est-ce qu'il part chercher avec ces gens? Bakoula golatiso mukuya na bango bato réputation est pola. Bayo kisi nzambe soni batata oyo zokota mwana bango. Réputation est pola. Na makamboke lo bagoden ko, quelle est la part de Dieu à l'intérieur là-bas? Quelle est la part de Dieu à l'intérieur? Des chercheurs d'argent. Dieu, la foi, le salut des âmes n'est plus votre leitmotiv.
au conseil des églises, au conseil des églises. Et qui est là comme au conseil des églises? Mukuna Chibola. Li bolo wa mwindo wana tozoko tala. Mukuna Chibola le conseil. Je dis toujours ton ce sera na tangwa kala. Nana matanga, nana matanga nani nani. Je n'ai pas cherché aucun d'eux. Bolo bisanga mintena na matanga. Des gens qui mettent des cols pastorales, mais dans les fonds, ils n'ont rien de Dieu avec eux. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu parles comme ça des hommes de Dieu? Toi qui t'as mis comme juge. Et je dis, mais autant la Bible. La Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Ces gens disent que ce sont des mangues, alors que moi je goûte, ce ne sont pas les mangues, ce sont les citrons. Tout le matin, il y a un citron. Bambouma ba soko produire za bambouma ya manga te. Baza ba citron. Soki na lobby na sali lisumu. Yo ko nga pe nande na fan boye sanga ke muku na pasteur. Na yena ndimio. Ah. Mama ke nga te pa de nile si, alo bananga wana nani? Wana nani? Wala ti nile ta mwindu wana. Mm. Na mutu na ba. Haleluya. Haleluya. Hale. Yesu asalaya pardon. Bato attends la poisson le maman na bangote. Attends la poisson maman toi na matanga toi matanga buti kanga ikimia toi na matanga. Godet est un faux pasteur. Godet a travaillé pour engloutir la ville de Kinshasa. Quand Kenza ne peut pas nous intimider, comme disait Shadari, quand Kenza ne peut pas nous intimider, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Qui es-tu, toi qui juges les serviteurs d'autrui? Tu ne sais pas que s'il tombe, son maître, un enfant, un serviteur de Dieu tombera cette fois. Le Seigneur le rêve. Lokuta, Lokuta, nous vous dirons que vous êtes des faux. Lokuta, peut-être une intimidation, pam pam pam. Qui es-tu, toi qui juges les serviteurs? Ils ont des versets comme ça. Ils ont des versets. Les serviteurs de Dieu méritent double honneur. Tu quand Nzambe n'aime pas quoi juger hier. Oh, Nzambe a besoin de se maïle pour te juger. Nzambe, qui ne vous dit pas que les bêtises qu'ils sont en train de faire, c'est Dieu qui est en train de les exposer. Nzambe a besoin de se maïle pour te juger. Bango. Nzambe a besoin de se maïle. Bisso Tokoma Rosambe à la SM, Église du Christ à la maison, à cause de ces gens. Vous pensez que Dieu est content? Dieu est content? J'ai toujours dit aux gens, mes chers frères, si nous qui sommes humains, pour choisir nos prédirigeants, nous demandons à être exigeants, nous devons lire leur CV, ce qu'ils ont fait. À plus forte raison, Dieu qui choisit des gens, les hommes de Dieu méritent respect. Comment demander respect? Moi, je suis un fruit de Nzambe Malam. Moi, il dit Nabala, fais pas qu'on Nzambe Malam. Ma pasteur kuna twane ko benga ba muse. Muse bulukungu, je me n'oublierai jamais. Aidi na bala muse boye muse à l'époque. Muse Katumba, na ka tonga na pasteur biso to benga na yolo, Muse Katumba. C'est dit quand ces gens là venaient. Deko liloba na jambe. Ko la ko benga yo. Ces gens-là avaient des voix. Ah non, non. Mbokaweu na ebite li babenin to sali. Nzamba biki sabiso. Mbokaweu to zoken. Ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne te demandaient pas de le reste. Et pourtant, c'était des piétons. Ils n'avaient pas de l'argent. Donc, priez dans sa mandala là, mes frères. À l'époque, moi j'étais jeune, je chantais dans une chorale à l'église. Bando bengo malaika. Bara la chorale moro, malaika, yabana mike. Chorale B, Zaki ba maman, chorale A, Zaki ba papa. Biso ba malaika to rubanda to yembi to yembi to silisi. Chorale A, chorale B, ya ba maman ba yembi, chorale A, ba papa ba yembi. Mais je vous dis que non, on n'avait pas des instruments à cette époque, tozo beta bambunda. Mais on avait Dieu au milieu de nous. On avait Dieu au milieu de nous. Les escrocs sont arrivés. Basombi ba djipa minene, basombi ba instrument. Ils ont pris Jésus, ils l'ont enlevé au milieu de l'église.
Ils ont amené les Kindumba, Saler, Mbongo. Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. Bisoto zalaki osali lisu muno soko moni muzebo, tu as l'impression que Jésus lui-même est venu. Non, ce n'est plus aujourd'hui. Ce n'est plus aujourd'hui. Et à l'époque, les pasteurs ne réclamaient pas qu'on respecte. Les pasteurs inspiraient le respect. Les pasteurs eux-mêmes, de par leur attitude, inspiraient le respect. On va vous respecter, vous. Moi, na longwe pas nanda quand maman est vierge, ma kéko dévierge et pas frère en église. Vous, les pasteurs, on doit vous respecter. Les filles sont dévierges aujourd'hui dans les églises. Dans vos églises là-bas. Et vous nous obligez, nous. Nous regardons comment Godin Poi a détruit la ville. Comment Godin a accompagné la destruction de la ville de Kinshasa avec Ngobila. Vous, vous venez, soi-disant des pasteurs, pour nous réclamer le respect. Vous voulez qu'on vous laisse. Et quand on va parler, attention aux hommes de Dieu. Attention aux hommes de Dieu. Attention. Quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Les hommes de la honte. Ils ont pris le Seigneur Jésus, ils l'ont chassé de l'église. Christ n'est plus au centre de nos églises. Le Seigneur n'est plus au centre de nos églises. À cause de ces charlatans. À cause de ces charlatans. Aujourd'hui, ces prophéties, c'est Dieu te bénira, c'est ceci. L'église n'est plus centrée autour de la personne du Christ. Allez intimider les gens, pas moi. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Aujourd'hui, l'homosexualité est autorisée partout. Les gens ne respectent plus rien. Le détournement est partout. L'église qui devait lever la voix pour combattre ces choses. Continue à Kindumba, la Golia, Bambongo. De soutenir un escroc comme Godin Poi. Et ils nous disent, je respectais les hommes de Dieu. Je respectais les hommes de Dieu. Nazorav page, na fungo la kankienza. Na fungo le chapitre à kankienza. Boko kimat. Na balusi bona fungoli chapitre kiziamina boko kima mukuna kutu yende na bandoko tanga ba verset ya mukuna biblia ya buko ya mukuna chibola totanga na mokapo nango ya yambo eteni nango ya tuku zomi na minei mukuna na mutuka motakala boko kima c'est cher ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, n'appelle-moi. Bon, les amis, nous devons nous opposer à. Nous devons nous opposer aux antivaleurs, d'où qu'elles viennent. Que personne ne vous intimide. Vous êtes intimidé, vous direz arrêtez. Allez, je vais prendre mon sujet majeur. Nani, il y a comme il y a Liwa, il y a Chérivé Okende. Mais avant, permettez-moi quand même d'exprimer mon soutien à un homme aussi qui souffre et qui doit à ce moment ici être très malheureux. C'est Salomon Idi Kalonda, qui passe des moments très très durs à la prison de Ndolo. C'est innocent que la méchanceté, l'injustice, la barbarie de Helmut Ngeleka envoyé en prison. J'ai vu ses avocats faire une conférence de presse pour étaler les insuffisances, les entorses, les violations flagrantes des droits, des principes dans les dossiers de Salomon Idi Kalonda. Suivez cet extrait de ses avocats, je dirai deux mots et puis on va aller dans le sujet majeur de cette émission. Si la régie est d'accord avec moi, on y va. Pour rappel, le 30 mai dernier, aux environs de 10h du matin, après avoir accompli toutes les formalités exigées par la Direction générale de migration, M. Salomon Idi Kalonda Della a été, sans mandat légal, tel un vulgaire criminel, interpellé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa et amené manu militari par des éléments de la garde républicaine à une destination qui ne fut connue que quelques jours après, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi. De son arrestation en date du 30 mai 2023 à ce jour, nous avons enregistré de graves violations des standards internationaux en matière de procès équitable.
Il s'agit de 1. Le droit à la présomption d'innocence. Le point le plus culminant de la violation de ce droit a été enregistré en date du 1er juin 2023, lorsque, sans vergogne, des éléments des services de l'ex des MIAP se sont permis de chasser devant les bâtiments abritant le dit service des avocats en toge. C'est seulement en date du 5 juin 2007, soit 7 jours après l'arrestation de M. Salomon Idi Kalonda Della, que le service de l'ex des MIAP, dans une précipitation inconsidérée, a informé l'accusé des charges portées contre lui, à savoir la détention illégale d'une arme de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, l'atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katangé. En ce qui nous concerne, nous nous interdisons d'opiner ou d'épiloguer sur ces préventions du reste fantaisistes qui ne résisteront pas à la moindre critique objective au risque de violer le secret de l'instruction préjudicielle, quand bien même les enquêteurs, eux, ne se sont pas gênés de préparer l'opinion sur la culpabilité du client au regard de toutes ces violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation et la détention de M. Salomon Idi Kalonda Della. De suivre l'extrait des avocats de Salomon Kalonda, je voudrais ici exprimer donc mon soutien et ma solidarité à ce compatriote qui passe des moments extrêmement difficiles. Félix Tshisekedi a dit que lui n'a jamais ordonné qu'on arrête quelqu'un, mais je vous dis que dans l'affaire de Salomon Idi, c'est aussi lui le commanditaire qui fait payer à Salomon des actions bien avant qu'il n'arrive au pouvoir, parce que ne l'oubliez pas, avant que Félix Tshisekedi ne soit président de la République, il bouffait et mangeait dans la poche des Katumbi. Mais il en faisait des trop parfois, comme c'est Salomon qui devait donner de l'argent, il arrivait qu'il la ramène au réseau, à la raison, Yango Kakanel. Je vous ai dit que moi, je connais des gens qui sont en prison aujourd'hui, seulement parce que Wilana Félix Tshisekedi, bah si. Awilila Moutou, moi si, a commis président de la République à Kangisiye. À Kangisiye. A discuté à Salomon à Kangisiye. Et là, le pauvre passe des moments difficiles à la prison de Ndolo, la maison de sa mère saccagée, fouillée, ses sœurs. Là, je voulais vraiment que vous entendiez le point de vue de ses avocats et que je voulais aussi lui envoyer mes encouragements. Ce combat que nous menons va bientôt atteindre sa fin parce que nous pensons que tous les Congolais sérieux doivent se mettre sur la route du frappeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci m'amène à ouvrir ce dossier terrible de l'assassinat de M. Chérubin Okende. Vous avez patienté, allons-y. Je vais vous donner ce que... je vais vous montrer d'abord, vous informer. Je donnerai mon point de vue quand j'aurai ramassé tous les aspects connus, Batobalobi, image, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on a retrouvé le corps sans vie de monsieur le député national Chérubin Okende, criblé de balles dans la matinée de ce jeudi, sur l'avenue Poids Lourd, non loin des Sep Congo. Avenue Poids Lourd, non loin des Sep Congo. Installation de Sep Congo Zarana, c'est là qu'on a retrouvé ces députés. C'était des rumeurs, on a confirmé. Et son parti politique, Ensemble pour la République, a confirmé le décès de son porte-parole. Je vous propose d'emblée, d'abord, d'écouter la déclaration du décès d'Ensemble pour la République, quelques éléments qu'il donne. On ouvre donc le dossier, Chérubin Okende, on va continuer. Tolanda Bato, Ensemble pour la République. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Chérubin Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poids Lourd à Kinshasa, criblé de balles.
il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui a lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikosso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njili. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiqueté proche du président d'Ensemble, tel que Franck Diongo. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République Mbujimayi, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, serve d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chérubin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chérubin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chérubin était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ce Congo malmené. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre hommage, un hommage digne à notre frère Chérubin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. Coup à nos amis qui sortent de l'hôtel. Vous venez donc de suivre l'annonce officielle du décès de l'honorable Chérubin Okende Senga, ancien ministre honoraire, député, tralala, porte-parole d'Ensemble. Là, c'est donc son parti politique, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui parlait à côté de lui. J'ai évidemment vu qu'il y avait Olivier Kamitatou, qui est aussi un cadre de ce parti politique. Donc c'est confirmé, l'homme est décédé. J'ai vu des images très très émouvantes. Peut-être que ceux qui ne sont pas présents dans les réseaux sociaux, vous avez vu les images de son corps juste sans vie, un corps inerte dans sa Jeep. Et j'ai
J'ai vu comment mon cœur s'est fracturé. J'ai vu comment mon cœur est parti en miettes quand j'ai aussi vu les images de sa veuve, sa femme en train de pleurer. On va regarder ça. Donc, nos amis de la régie vont me mettre certaines photos de son corps qui vont mélanger avec les images de sa veuve. On va continuer après. Regardez. Donc, je fais tout un dossier. Je vous montre d'abord ce qui est connu, ce qui se passe. Comme j'avais dit que l'émission sera essentiellement consacrée sur cette triste nouvelle. On suit et puis on se retrouve après. Solidarité, nos encouragements et surtout, c'est pas notre solidarité à la veuve, à la famille éplorée. C'est triste, c'est triste. Mais dans la foulée, j'ai vu que les journalistes, les réseaux talibans comme on les appelle, les journalistes qui travaillent avec ce régime de la frappocratie ont publié un voice qu'on attribue à une fille de, comment ça s'appelle, des chérubins au Kendé en train de pleurer et de faire porter le chapeau de l'élimination des chérubins au Kendé au fait qu'elle avait déjà des problèmes dans, ensemble. Une manière d'accuser Moïse Katumbi et ses hommes, une manière d'accuser ensemble d'avoir fourbi et exécuté ses coups. Suivez ces voices-là et on va continuer comme ça jusqu'à ce que je vais vous terminer tous les dossiers-là. Et puis on va entrer en profondeur. Hello, Wandini, what's up, El Papa? Hello, Wandini, Salibino. Hello, Wandini, Salibino. Hello, Wandini, Sali. Ah, voilà, ma kanga, y'a ta kanga. Donc, y'a ta la prison, papa. Y'a ma ne tumba, chérie, mais au kende. Ah, papa, papa, la ra, papa. Chérie, mais la ra, papa. Papa, non, bon, non, wapi. Elle a rebossali. Elle a rebossali, toyebi. Toyebi. Elle a rebossali. Bolinga, qui est l'issoussouté. Elle va pas qu'on déclare la femme de ma lignée. Papa, papa, ami, moi, y'a l'obésité. Moi, y'a l'obésité. La femme de ma lignée, la femme de ma lignée, papa. Merci. Vous avez donc clairement suivi les pleurs de cette jeune fille. Elle dit que Toyebi manœuvre Nabino. Boulinga qui est sous l'ensemble était Boussali un peu pour jeter la balle dans le rang d'ensemble pour dire que c'est ensemble qui est derrière. Mais juste après, j'ai vu un démenti formel de la famille, des gens se présentant comme de la famille de chérubins au Kende qui ont contredit
Bolanda démenti, on va continuer à aller comme ça. Bozou, comme ça, vous avez au moins une idée globale. Yama Kambono sur tout Ngozoleka. Suivons. Quand est-ce que la communication de la famille aura lieu? Papa et Yachalina, vous avez se informé. Dès que l'information est à la mienne, donc on continue à Kati et mon famille est au Babazali. Bon, bref, toujours bête la Chilo Momaboko, toujours bête la IDPS Maboko, on a première loterie dans Bango va gagner. Mais, boy, bah, Makila Excellence, et vous avez la impunité, justice n'a pas eu la. Président de la Cour constitutionnelle. Président de la Cour constitutionnelle. Yo mutuba utiliser qui yo. Pour ma kidnapper ya Chilombo. Va enlever excellence, va que ne ko exécuter. Moye ba que il y a après mandat, après chaque pouvoir dit ezalara. Mais faut que makila excellence, makila okende et ko ganga sina suka en victime na on va refuta. Merci. Là, je vais vous montrer maintenant les manifestations, parce que j'ai vu quelques deux, trois petites manifestations à gauche et à droite, notamment à Lubumbashi. Regardez, tous en bas images, tous en idées, comme ça on s'est fait vraiment une idée globale de ce qui s'est passé. Regardons quelques petites manifestations organisées par, de manière assez spontanée par certaines personnes après l'annonce de la mort de Chérubin Okende. C'est un coup d'état contre la démocratie. Nous n'allons pas se laisser faire. Nous n'allons pas se laisser faire. La démocratie. C'est tellement triste, mes chers frères, c'est tellement triste. Je vous dis que j'ai dû rassembler mes énergies, j'ai dû rassembler mes forces pour me présenter devant vous et pour vous faire cette émission, c'était un devoir. Suivez alors, cette fois-ci, le témoignage de quelqu'un que j'ai suivi chez ma petite sœur, Bibi Kapinga, une consœur, qui a réussi à joindre un homme qui était présent quand on était en train d'enlever M. Chérubin Okende. Après, je vous mettrai le témoignage de son garde du corps qui était là, qui confirme tout. Je mettrai une dernière vidéo, je donnerai mon point de vue. Suivant ses témoins, il dit être témoin oculaire parce qu'il était là au niveau de la cour constitutionnelle où on était en train d'enlever Chérubin Okende. On le suit. Voilà, on a mon tout cas indéco Chérubin Okende. Alors, à travers cette émission, toujours, tu as dit que tu as dit pendant que tu as passé en direct, Azali comme témoin. Il y a enlèvement, il y a un déco. Chérubin Okende Mokolo, allô, oui, allô? Allô? Oui, bonjour, maman. D'ailleurs, vous allez en direct sur ma mission TV. Maman Bibi, Mbote Nayo, Mbote Nabakongoman, Nyonso, il n'y a pas ces akaka parce que ce qui est au Banzambe, mais peut-être les Kambo comme une de Chérubin, parce que tu as assisté à qui? Enlèvement wana ndenge e bandelina tiba kei na moto moto pe akolanda zalite azalaki na cour constitutionnelle ezalaki na après-midi aye na moto kanae atelemisi yango na mopandi akoti na parking ya cour constitutionnelle bauti ko bongisa sika
aye atermisi na mopandi wana ba chege kutunde bato basokola bano basokola kami tuka pour ne pas dire ba chege ba ekolanda eko senga moi loko ndenge zalaka kaka azalaki na rapproché na ye rapproché a kiti apesi bana ne loko biso otem toza kota ngana utaki na ngana zaki na ministère a budget et na secrétaire général a budget na pusani wana na ye na pesi kulutu na ngai Chérubin Mbote tosololi na ye tosisi kosolola mwa muke to s'équipe mwa muke pendant mwa quelques minutes long na longwe wana na ye kovanda na na Villa Royale na ngonga muke na yoki bato na zagi na na Villa Royale na bimito ye wana tozomona nde bato ba kolongola ye ba ye wana we il y avait 6 personnes en tenue civile et puis batiki pick-up na bango juste kuna kota maison de la France parce que tolanda ba na pick-up moko ya pembe pick-up wana ya pembe zaki na ba ba ba, ba garde républicain ba moura auto benga ka ba moura misato na chauffeur moko ba moura bagi na kati ya pick-up wana ya pembe ya pick-up pembe wana ya Land Cruiser ba ye ba menacé ba zui ba simbi c'est lui-même qui a conduit sa voiture ba pessier volant mutuka na ye menace tellement le et tout ça la mama kamone tout ça la ma ezali na na liboso ya cour constitutionnelle na liboso ya cour bazui moto ka ba kei na ngola ba ke aussitôt nani garde na ke ko ba ko ba ke tete ba to balandi mais biso to ko ba ndenge nini ke pick-up ya pembe za ki wala parce que to landi ngai na démarrer moto ka na landi na landi to komi ti wana ndeto ko mona bazui moto ka ye moko moto to pousser là ba komi na liboso ya maison de la France ba kiti siye ba boîte na sima ale moura moko a kiti aya vu volant Chérubin nde ba kei passe yango wana ton dima kite ke loto ko mona boye mais vous avez un peu une idée compris que avec ce témoignage du témoin oculaire de ce qui se serait passé de la manière dont l'homme a été enlevé je retiens une chose c'est des hommes en tenue civile ils étaient pratiquement une dizaine à lobby 6. Mais je note qu'ils avaient à côté une jeep blanche dans laquelle se trouvaient des hommes en tenue de la garde républicaine. Donc ça, c'est les témoignages que vous venez de suivre. Maintenant, je vais vous diffuser un voice que je viens d'avoir de son garde du corps qui était venu avec lui, qui va vous expliquer comment lui, il est descendu pour rentrer à l'intérieur. Et vous aurez un peu une idée de ce qui se serait passé, et puis on va continuer cette émission. Suivez, suivez son garde du corps. Invitation nanga, Ousanini, Ozonga, n'a vu pas invitation, n'a acquise réception, n'a bimi pe, tout bimi n'a vu, vite tata invitation, comme batou a convoqué ngaï, pour n'a lobby jeudi. Non, non, n'a pas fait un tana batou nanga, de n'a tchang, on a répondu jusqu'à vendredi, n'est la quoi, mais à même, comme a pèse nga, 11h, 16h, aux séances de travail. Tu es na résidence, tu as sali document na eh, abi na na tuwi ko imprimé wa pinga bi tuwi. Oui, na ati na chauffeur, ati ni chauffeur na résidence na ya Ipen. Ati que la père na eh loko mongo kuna. Na to bimi so mbalé, to ko mpe na batité la tu imprimé document. Tu es na cour constitutionnelle, via tiké na parking. A signé à Pessinga document. Voilà la cour constitutionnelle. Na Tina Sakiti. Na Mati. Na cour constitutionnelle. Na Mati na Saki 10 minutes ndeko. A signé l'enga kaka document na bimi na bima na parking via Zate. Na tuni ba police. Oh non, carangwe to bima kabo male malembe. Ah. Ah, carré to bima male malembe. Na bandi ko benga vie. Bandana bandana ko benga ndeko na ngai tililo. Le téléphone ne zo sonne mais via zo ma téléphone. Effectivement qu'ils étaient venus à la Cour constitutionnelle et que lui, il était venu pour déposer une correspondance et que sur ordre de son chef, il est rentré à l'intérieur. Il raconte tous les tralala que vous venez de suivre là.
Allez, on va boucler cette série de vidéos avec l'interview de Moïse Katumbi. J'en ai suivi une sur RFI et l'autre qu'il a donnée à son chargé de communication qui est toujours avec lui souvent quand il voyage, mon frère Nono Landou. Suivez ce que Katumbi dit. On boucle la série par là et puis je vais essayer finalement de donner mon point de vue et de ramasser tous ces éléments-là. Tolanda Moïse Katumbi Chapou. Excellence, vous venez d'interrompre votre séjour à Abidjan. Je suis vraiment en colère. Chérubin a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chérubin, c'était un homme bien. Un père de famille. Un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chérubin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chérubin. Très triste. C'est un assassinat politique pour Chérubin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, on arrête mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Vous interrompez votre séjour à Abidjan, vous rentrez au pays en passant par Lubumbashi, vous serez à Kinshasa ce soir? Oui, j'interromps, je rentre. Chérubin est un frère, un homme honnête. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Un homme très pacifique, un père de famille, je suis obligé de rentrer. Mais ce qu'ils ont fait à Chérubin ne restera pas impuni. Et c'est un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où est-ce que nous allons dans ce pays? Où est l'état de droit? Si on doit tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la situation dont le pays fonctionne. Les dossiers sont donc un peu plus complets sur ce qui se raconte, ce qui s'est réellement passé. En clair, si je dois résumer en termes d'information, en termes factuels, ce qui s'est passé, Chérubin Okende a démissionné de son poste du ministre d'État, ministre de la communication, des enclavements et voies des communications, un truc comme ça, pour respecter le mot d'ordre donné par Moïse Katumbi et son parti. Il y a lui, il y a un autre grand frère avec qui je parle bien d'ailleurs, Christian Mwando, qui ont démissionné pour suivre Moïse Katumbi qui venait de claquer la porte à l'Union Sacrée. Et comment s'est-il retrouvé à la Cour constitutionnelle? Nous sommes aujourd'hui jeudi. Je crois que hier mercredi, j'ai la correspondance ici. Chérubin Okende a reçu une correspondance venant de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la correspondance dit? Je vais vous lire. À Monsieur Chérubin Okende, ministre honoraire des Transports, voie des communications et des enclavements, objet de la lettre invitation. Monsieur le ministre honoraire, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le président de la Cour constitutionnelle, par ordonnance signée le 28 juin 2023, m'a désigné rapporteur pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement. C'est à ce titre et conformément à l'article 93, alinéa 3 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle que je vous invite à mon cabinet pour une séance de travail le jeudi, donc aujourd'hui, le jeudi 13 juillet 2023, entre 10h et 16h.
Veuillez agréer, monsieur le ministre honoraire, l'assurance de ma parfaite considération. La lettre est signée par monsieur Lumu Baya Sylvain, Sylvain Lumu, que beaucoup connaissent d'ailleurs, juge à la Cour constitutionnelle et rapporteur. Sylvain Lumu envoie cette lettre avant-hier à Chérubin Okende. Maintenant, Chérubin Okende, invité aujourd'hui, estime que non. La veille, vous m'envoyez une lettre pour m'inviter. Chérubin Okende va estimer qu'il peut demander un report du rendez-vous pour 24 heures. Donc, Chérubin Okende va solliciter que la Cour constitutionnelle qui l'invite puisse pousser cette rencontre-là à 24 heures. Il va écrire. Et c'est cette lettre que Sylvain, que Chérubin Okende va déposer à la Cour constitutionnelle les jours où on la lève. Ici, j'ai la lettre accusée de réception de la Cour constitutionnelle. La lettre, elle est là. Je vais aussi vous la lire. À monsieur Lumumba et à Sylvain, juge à la Cour constitutionnelle, Kinshasa Gombe, objet, accusé de réception, invitation. Monsieur le juge, j'ai l'honneur d'accuser réception ces jours de votre lettre référencée numéro CAB du 10 juillet 2023 portant invitation à une séance de travail en votre cabinet le jeudi 13 juillet 2023 entre 10h et 16h et vous en remercie. Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir accepter que que la dite séance se tienne le vendredi 14 juillet 2023. Donc, il sollicite que ça ne se passe pas aujourd'hui, mais que ça se passe demain. Veuillez croire, monsieur le juge, en l'assurance de ma parfaite considération. Chérubin Okende Senga, ministre honoraire. Chérubin Okende reçoit l'invitation de la Cour constitutionnelle. Il demande un décalage de 24 heures et il écrit à la Cour constitutionnelle. Et il va donc déposer cette lettre à la Cour constitutionnelle. Quand il arrive à la Cour constitutionnelle, il reste dans la voiture. Il prend la lettre, il donne à son garde du corps pour que le garde du corps dépose la lettre. Et le garde du corps, vous l'avez suivi, est en train de vous expliquer qu'il n'a fait que 10 minutes au niveau de la Cour constitutionnelle pour que Tango Abimi enlève Chérubin Okende. En fait, l'histoire, elle est celle-là. C'est ça l'histoire. Il est enlevé. Donc, hier, mercredi, à la Cour constitutionnelle, et on retrouve son corps criblé de balles aujourd'hui matin au niveau des poids lourds d'à côté à CF Congo. Qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? Chérubin Okende et lui, et certains proches de Moïse Katumbi, et même certains proches de Joseph Kabila, sont victimes d'une opération obsessionnel de maintien des pouvoirs mené par le frappeur en chef Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Ngeleka a fait de la question du maintien au pouvoir. Ngeleka a fait de la question d'un deuxième mandat une question d'obsession. Et croyez-moi, il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il intimide les gens à gauche et à droite. Regardez les arrestations. Je suis venu ici un jour. Je vous ai parlé de l'opération Franky, mes chers frères. Il vous souviendra que je vous ai parlé de l'opération Franky. Comme un prophète, je vous ai dit, on va traquer les gens. Certains seront même tués. Et ça sort dans les rangs de Kabila ou ailleurs. On va traquer les gens. Cette opération réfléchie des mains des maîtres par le général Frank Toumba, vise donc à maintenir à tout prix, et quels que soient les prix à payer, Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Chérubin Okende se savait traqué. Chérubin Okende se savait traqué. J'ai discuté avec certains de ses proches. Okende n'était pas au pays. Chérubin Okende est rentré au pays, non pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Donc, le 13, c'est jeudi. Donc, le dimanche, c'était le 9. Chérubin Okende est rentré le 2 juillet à Zaki Namokati. Il était en Afrique du Sud.
Certains de ses proches estiment d'ailleurs que Chérubin est allé en Afrique du Sud parce que il avait subi une intoxication que la plupart des gens attribuent à la marche organisée par l'opposition. On dit que le régime cherchait déjà même à l'éliminer physiquement à cette époque-là en utilisant la méthode que eux ils appellent dans leur service une mort lente. Babetso moi bon, babetso moi tonga. Na manifestation, na yoye marche, webite moutoua tchoubio, n'joka transmettre au bon, comme ça au koufa, de manière lente. Chérubin était malade, il est parti en Afrique du Sud pour se faire soigner. Mais bien avant de partir en Afrique du Sud, les informations à ma possession, mes caméras renseignent que Chérubin Okende se sentait en insécurité et en a parlé à plusieurs personnes. Il accusait la maison militaire de M. Félix-Antoine Tshisekedi de le traquer. Et pour preuve, Okende qui a vécu beaucoup de temps dans sa vie au quartier Upen avait fui sa maison du quartier Upen pour louer une maison à Montfleury. Les gens croient que Chérubin Okende a fondé à Upen, mais se sentant en insécurité, il avait clandestinement quitté sa résidence d'Upen pour habiter ici à Montfleury. Soki Boyoki Matanga, on va vous dire que ce matin, Chérubin Okende est en Upen, alors que jusqu'à sa mort, Chérubin Okende n'habitait plus Upen. Upen est Tikalaki résidence officielle, et lui, se sentant en insécurité, avait quitté sa maison pour habiter à Montfleury. Donc, Ngeleka et ses hommes commençaient déjà à les traquer dès lors. Et je vous donne une autre information. Quand il est rentré d'Afrique du Sud, pourquoi il est rentré d'Afrique du Sud? Il est rentré d'Afrique du Sud parce que sa fille se mariait ce samedi. Les journalistes, peut-être que j'ai vu que sa fille s'est mariée avec un garçon journaliste que je connais très bien. Un jeune homme que j'ai formé, avec qui j'ai des bons rapports. J'ai vu dans les réseaux sociaux. Chérubin Okende est rentré au pays le dimanche là pour participer le samedi d'après au mariage de sa fille. Sa fille était en train de se marier. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux que le samedi, il a accompagné sa fille à l'église, il a accompagné sa fille à la mairie, et il était toute la soirée au mariage de ses filles. Donc, il a même quitté la salle, selon mes informations, après 14h du matin, parce qu'il était tellement heureux d'avoir sa fille se marier. Mais lorsqu'il est arrivé dimanche, d'Afrique du Sud, pour participer au mariage de sa fille, ceux qui l'ont rencontré, je ne cite pas les noms des gens ici pour le mettre en insécurité, Chérubin a sorti une phrase révélatrice de sa situation. Une phrase pour qui, pour moi, résume un peu tout. Quand on l'a récupéré le dimanche, là, les gens lui ont souhaité bienvenue, bon retour. À toutes les personnes qui lui disaient, ah vieux, bon retour, il leur disait, ah vous croyez que je suis la bienvenue? Est-ce que vous pensez que je suis la bienvenue dans ce pays? Vous pensez que je suis la bienvenue? Chérubin se savait déjà en insécurité. Et il avait prévu, après le mariage de sa fille, d'aller habiter à Lubumbashi parce qu'il était en insécurité. Il disait qu'il était traqué par la maison militaire. Et qui est à la tête de cette maison? C'est le fameux Franck Bwamunda. L'homme par qui tous les malheurs du pays arrivent aujourd'hui, c'est Franck Bwamunda. C'est lui le patron de l'opération Francky, mes chers frères. C'est Franck Bwamunda. C'est lui qui donne des ordres aujourd'hui. C'est lui qui amène des mercenaires. Le désordre, la cacophonie qui est à la tête de nos services de renseignement, la cacophonie qui est à la tête de nos services de sécurité, porte un nom, porte une signature, c'est un certain Franck Bwamunda, chef de la maison militaire de Ngeleka Elmout. L'homme par qui les malheurs de la République arrivent aujourd'hui. Je suis dans les éléments de fond. Donc, c'est un homme qui se savait en danger. Chérubin était en danger et il savait. Il disait aux gens qu'il est en danger, il est traqué par la maison militaire de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'opération Francky, deux personnes font mal aujourd'hui. C'est Moïse Katumbi et Kabila. Voilà les deux personnes sur qui, pour qui ce monsieur le frappeur Félix a peur. Kabila et Moïse Katumbi. Il sait qu'aujourd'hui, ces deux Katangais sont à mesure de les mettre en miettes. Kabila a même la possibilité d'user de la force pour nous débarrasser de ce monsieur. J'en parlerai. Donc voilà les éléments. C'est un homme qui était en insécurité
Il a quitté le gouvernement au mois de décembre, alors qu'on lui demandait de rester à l'Union Sacrée. Il a quitté, il a rejoint Moïse Katumbi, il a été nommé porte-parole, et c'est lui qui relayait la voix d'Ensemble pour la République. Il était malade, il était plutôt à l'extérieur du pays. Il est rentré dimanche 2 pour marier sa fille. Sa fille s'est mariée le samedi, et le mercredi, l'homme a été assassiné. Les éléments d'information. Maintenant, qui a tué, Chérubin Okende Senga? Et pourquoi l'a-t-on tué? Qui a tué Chérubin Okende? Et pourquoi on l'a tué? Maman Lali Kambozawana. Avant la Louba, Tokéi, j'ai un article qui vient d'être publié. Je vais vous lire. Je vais demander à mes équipes pour que vous ayez une idée claire de la personne que j'évoque ici. L'article a publié sa photo, vous allez voir sa photo. Urgent, notre ami de la régie va vous mettre en filigrane la photo. Urgent, l'article est de, le site c'est, attendez, je vais, Balobate Perro Loire Alobaki. Toyebani Nabango bien. Moi je ne fais que lire l'article. Attendez, je vais retrouver les sites qui a publié l'article. Le site, c'est... L'article porte la signature du site d'information congointelligence.com. Je répète, congointelligence.com. Qui vient de publier un article, congointelligence.com. Le titre, c'est « Urgent. Assassinat politique par Félix Tshisekedi. Voici la photo du lieutenant-colonel Kiki, alias Ramakota, le commanditaire de l'assassinat de Chérubin Okende et comment il l'a tué. » C'est l'article de Congo Intelligence, le fameux colonel Kiki, décrié par Congo Intelligence. La photo est là. C'est Congo Intelligence qui a publié la photo. Je vous lis l'article. L'article est signé par un certain Vincent Carter. L'article dit ceci, la photo est là. La photo de la personne qui aurait assassiné, selon le site d'information Congo Intelligence, M. Chérubin Okende. Voici ce que l'article dit. Ce matin, Kinshasa a été le théâtre d'un crime politique choquant avec l'assassinat de Chérubin Okende, porte-parole d'Ensemble et ancien ministre des Transports. Cet acte odieux soulève des questions cruciales. À qui profite ce crime? Qui a tué Okende et pour qui? Et surtout pour quelles raisons? Selon nos informations, parmi les équipes ayant commandité l'exécution de Chérubin Okende se trouve le lieutenant-colonel Kiki, dont la photo est là, que vous êtes en train de voir, le lieutenant-colonel Kiki, également connu sous le nom de Ramakota, il est affilié au service de renseignement militaire de la DEMIAP. Ce même individu aurait été responsable de l'arrestation de Salomo dans les conditions similaires. D'après nos sources, ça je suis en train de lire l'article de Congo Intelligence, d'après nos sources au sein de la DEMIAP à Kinshasa, l'ancien ministre et membre d'Ensemble aurait subi de longues séances de torture aux mains du lieutenant-colonel Kiki. Ce dernier aurait utilisé des sachets en plastique pour étouffer Chérubin Okende dans le but de le contraindre à accuser Moïse Katumbi de fomenter un coup d'état sur ordre de Félix Tshisekedi. Ngeleka vient d'être cité. Après avoir constaté que Chérubin Okende était décédé de suite de cette suffocation, de la même manière que le militant des droits de l'homme Floribert Chebeya, dont les corps avaient été retrouvés étouffés et jetés dans la rue avec des préservatifs, un membre de la DEMIAP désapprouvant ces méthodes de torture et de fabrication de fausses accusations a contacté les médias en ligne congointelligence.com. Selon nos sources au sein de la DEMIAP, le porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chérubin Okende, avait été convoqué à la Cour constitutionnelle pour une séance concernant son patrimoine suite à son départ du gouvernement en février 2023. C'est de là, à la Cour constitutionnelle, qu'il aurait été kidnappé par la DEMIAP
et amené dans la soirée du mercredi 12 juillet 2023 par des hommes en uniforme lourdement armés jusqu'à la salle des tortures de la Demiapa. Après une longue séance de torture ayant entraîné sa mort, les militaires ont paniqué. Dans leur précipitation, ils auraient décidé de transporter le corps sans vie de Chéribert Okende et de les jeter en face d'un garage sur l'avenue Poids Lourd, le criblant des balles, afin de faire croire à la population qu'il s'agissait d'un règlement des comptes. Ces événements tragiques soulèvent l'indignation de nombreux Congolais qui en ont assez des enlèvements, des tortures et des assassinats politiques perpétrés par le régime de Félix Tshisekedi. Beaucoup estiment que le président, arrivé en fin mandat, tente de se maintenir au pouvoir en utilisant la terreur. Un membre d'une ONG congolaise s'appuyant sur ces informations accuse directement Félix Tshisekedi et le lieutenant-colonel Kiki, alias Ramakota, d'être les commanditaires et les responsables de l'assassinat politique de Chéribert Okende, porte-parole d'ensemble. Les appels à une enquête indépendante et à la justice se multiplient afin de faire toute la lumière sur cet acte abominable et de traduire les coupables en justice. Le peuple congolais réclame des réponses et une fin à cette vague d'insécurité qui secoue Kinshasa et le pays tout entier. L'article est signé par un certain Vincent Carter. L'article est de site d'information Congo Intelligent. Et Congo Intelligent accuse donc l'homme que vous voyez ici. C'est lui qui aurait assassiné Chéribert Okende. Ce monsieur, c'est le lieutenant-colonel Kiki alias Ramakota. Sa photo a été publiée par le site Congo Intelligence et la photo est donc là. On attribue l'assassinat de Chéribert Okende à cet homme. Je reviens pour vous dire deux, trois petites choses. Pour moi, l'assassinat de Chéribert Okende est un assassinat politique. Commandité au plus haut niveau, c'est un crime d'État. Que personne ne vous trompe, c'est un crime d'État. Comment vous pouvez m'expliquer que Chéribert Okende soit convoqué par la Cour constitutionnelle, soi-disant pour venir justifier son patrimoine? Chéribert Okende n'est pas le seul ministre qui a quitté le gouvernement. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut-il vous dire les noms des autres ministres à qui elle réclame la déclaration du patrimoine après leur départ du gouvernement? Steve Kondé a quitté le gouvernement. Est-ce qu'on a réclamé? Cet autre monsieur ici, comme le Yakinani, qui était ministre du tourisme, est-ce que Batounio Sotou et Union Sacrée, au Balouin du gouvernement, est-ce qu'on leur a demandé de venir réclamer le patrimoine? J'accuse ici la Cour constitutionnelle, j'accuse ici le Robongue le Calier Kamouleta d'avoir facilité l'enlèvement. C'était un plan qui était visiblement préparé. Inviter M. Chéribert Okende à la Cour constitutionnelle pour qu'on vienne l'arrêter. Premier élément. Sinon, la demande de la Cour constitutionnelle est une demande suspecte parce que je me demande pourquoi c'est seulement à lui qu'on demande des comptes par rapport à ses avoirs, par rapport à ses biens, si ce n'est pas dans l'optique de lui tendre un guet-apens pour l'avoir et le tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Ngeleka, Kamouleta, les gens de la Cour constitutionnelle, ils sont dans le coup. Mais voilà là où ils sont amateurs. En plein soleil, en plein jour, vous venez enlever quelqu'un à la Cour constitutionnelle. C'est du jamais vu, mes chers frères. La Cour constitutionnelle est un bâtiment sécurisé, il y a des guérites, il y a des gens qui sont là. Comment pouvait-il enlever quelqu'un à la Cour constitutionnelle? Et son garde du corps vous a dit, entre le moment où lui, garde du corps, descend pour aller na greffe, il y a Cour constitutionnelle, pour aller déposer la lettre et son retour, il n'a fait que 10 minutes. Donc en 10 minutes, l'opération a été réussie. Quand je vous parle d'un crime d'État, voici les éléments. Le témoin vous dit que les personnes qui sont venues l'arrêter étaient 6 armées jusqu'à la dent. Ils sortaient d'une jupe blanche dans laquelle il y avait des militaires en tenue de la garde républicaine. C'est toujours la même jupe blanche là qui a arrêté Salomo Kalonda. C'est toujours la même jupe blanche qui a enlevé Mike Mukebaye.
C'est leur méthode. C'est le régime qui est à la base de cet assassinat. C'est un crime odieux. Un crime politique, un crime d'État. C'est un crime d'État. Ils avaient-ils l'intention de les tuer? Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont fait des choses, organisé des choses dans la précipitation et en tout amateurisme, ça a mené à la mort. Mais c'est un crime d'État. On ne peut pas, si ce n'est pas une opération d'État, dites-moi qui est ce voyou, dites-moi qui est ce bandit qui peut être aussi inconscient pour venir arme à la main en plein jour à la Cour constitutionnelle, à l'intérieur, à l'enceinte de la Cour constitutionnelle pour enlever les quelqu'un. Qui est ce voyou qui peut faire ça? Quel est ce bandit qui peut faire ça? Non, il ne s'agit pas d'un crime au hasard. Il s'agit d'un crime d'État. L'Angeleka Sphère a tué Okende. Babomiye, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui a tué. On l'a enlevé à l'enceinte même, dans l'enceinte même de la Cour constitutionnelle. C'est planifié. Mais qui l'a tué? Pour moi, l'assassin de Chérubin Okende s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix qui a tué Chérubin Okende. J'assume mes propos. Depuis que cet homme est au pouvoir, jamais il n'a, jamais de toute sa vie, il a réalisé une seule promesse faite au pays. Bravo Félix. Et le Moutingeleka, bravo. Pour une fois, Félix fait une promesse et il le réalise. Il vous avait dit, je ne veux pas respecter les droits de l'homme. Je m'en fous des droits de l'homme. Je vais violer les droits de l'homme. Nakoyoka Mututé. Il a promis de violer les droits de l'homme. Il a tué Chérubin Okende. El Moutingeleka, chancelier d'Allemagne d'Afrique. La seule promesse que cet incompétent, ce jouisseur d'El Moutingeleka a réalisé, il nous a promis de violer les droits de l'homme. Il a dit à Mbujimaï que le droit de l'homme ne représente rien pour lui. Il vient de réaliser sa promesse en tuant Chérib. C'est Félix qui a ordonné l'assassinat de Chérubin Okende. L'assassin, c'est Félix. S'il y a un responsable, son nom, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'oublions pas, mes chers frères, que dans ce pays, nous, l'UDPS et tous les Congolais, nous avons insulté Kabila. Nous avons dit de Kabila qu'il a tué Chebeya. Le sang de Chebeya est là, ta Kabila. Nous avons dit de Kabila qu'il a tué Rossi Mukendi. Félix Tshisekedi a dit de Kabila qu'il a tué Thérèse Kapangala. Il a dit de Kabila que celui qui a tué Rossi Mukendi, il a tué Arma Tungulu. Il a dit de Kabila qu'il a tué Chebeya, qu'il a tué Bazana. C'est Félix qui a dit ça. Tous les morts de cette époque-là, portez les chapeaux de Kabila. Le responsable de cette mort s'appelle Félix Tshisekedi. L'assassin, c'est lui. Autant il a porté tous les disparus, tous les morts, autant à son époque, il a fait porter ça à Félix Tshisekedi. Autant plutôt à Joseph Kabila, autant aujourd'hui, je le tiens individuel. Personnellement, je le tiens responsable. Lui disait que Kabila a tué Chebeya. Lui vient de tuer Chérubin Okende. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Vous allez chercher l'assassin où? Ngeleka. L'assassin, c'est lui. Elmout. Elmout Ngeleka, c'est lui l'assassin. C'est lui qui a tué Chérubin Okende. Elmout Ngeleka, le chancelier d'Allemagne d'Afrique. Allez le chercher là-bas. Il a fait porter tous les fardeaux du monde à Kabila. Il a dit que Kabila a tué Chebeya. Il a dit que Kabila a tué Bazana. Il a dit que Kabila a tué Rossi Mukendi. Il a dit que Kabila a tué Thérèse Kapangala. J'ai dit qu'il a tué Chérubin Okende. Lui, moi j'ai dit aussi, Félix a tué Chérubin Okende. C'est lui l'assassin. Encore pire, Chérubin Okende, le méthode qui a été faite, démontre qu'il s'agit d'un crime d'État. L'homme a été enlevé dans les locaux de la Cour constitutionnelle. En plein jour. En plein jour. Et l'article que je viens de vous lire vous dit qu'il aurait été assassiné dans les locaux de la DEMIAP. Il aurait été assassiné dans les locaux de la DEMIAP. L'objectif était simple. Porter des chapeaux contre. Maintenant, on va au niveau des mobiles. Pourquoi Ngeleka? Et le mot Ngeleka chercherait à tuer Chérubin Okende. Ngeleka est dans une course effrénée de rester au pouvoir. Son objectif, c'est de se maintenir au pouvoir à tout prix.
Bon, bah, ma télé, l'autre, il faudra ça à 2 heures après l'émission. Bon, les mi, je suis à combien de minutes? Une heure combien? 25? 45 déjà? Oh là là! Yohane Bando, comment? Kokatate, kokatate, atoke, le lot même. Pure noir. Non, on va aller. Le lot même, si vous avez 2 heures, photo termine, tout aussi ça dossier. On va aller. Qu'est-ce que je disais? J'évoquais les questions des mobiles là. J'évoquais les questions des mobiles. Il est dans une logique obsessionnelle de garder le pouvoir. Pour lui, rester au pouvoir est une question d'obsession. L'homme a triché aux élections. Il a goûté au miel. Pour lui, le pouvoir, ce n'est pas une question de servir. Pouvoir, c'est se servir, détourner, jouir, voyager, faire le tourisme. Elengi et Kotien Amoussouni. Il veut se maintenir au pouvoir dans son incompétence, dans sa jouissance, dans ses aspects touristiques. Il tient absolument à se maintenir au pouvoir. Il a tué Okende. L'objectif est simple. Premier objectif, c'est d'insuffler la peur. Le message est simple. Je suis un dictateur. Il vous a dit qu'il ne va pas respecter les droits de l'homme. Il vous a dit que les droits de l'homme, violés ou pas, écolobélés le côté. Bon, mon idée, Rassali, Chéribé Okende, celui qui va oser se mettre sur mon chemin, je vais l'écraser comme ça. C'est ça le message. Insouffler la peur dans la tête des gens. Celui qui osera se mettre sur mon chemin subira le même sort que Chéribé Okende. C'est ça l'idée d'Helmut Ngeleka, le chancelier d'Allemagne d'Afrique. C'est ça son idée. C'est lui qui se mettra sur mon chemin, subira la même chose. Il croit ainsi terroriser les gens. C'est des méthodes dictatoriales. Il croit ainsi faire peur aux gens. Il cherche un moyen d'annuler, il cherche un moyen d'anéantir, de neutraliser tous les opposants. Yangozomo a le problème. Bakangi Franck Diongo, Bakangi Kamaiki Bukebai, Bakangi ceci. Il va commencer à arrêter les journalistes, à tuer les gens, insécurité partout. Il vous crée un climat de terreur pour vous faire peur. Et dans cette peur-là, il croit qu'il va trouver son épingle de jeu en se maintenant au pouvoir. C'est ça le mobile. Je le dis et je le répète. Coupez l'extrait et envoyez à qui vous voulez. Pour moi, l'assassin de Chérubin Okende s'appelle Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Helmut Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. C'est lui qui a tué Chérubin Okende. C'est Félix l'assassin. Bonoukayerte, l'assassin c'est Félix Tshisekedi. C'est lui. Ne me posez pas la question qui est, où est la preuve. Quand il a dit que Kabila a tué Chebeya, il n'était pas là. Quand il a dit que Kabila a tué Bazana, il n'était pas là. Quand il a dit que Kabila a tué Rossi Mukendi, il n'était pas là. Kabila n'était pas là. Félix a dit que c'était Kabila. J'ai dit que celui qui a tué Chérubin Okende, c'est Félix Tshisekedi. Tenons-le comme responsable. Et le mobile, c'est créer la peur. C'est son envie obsessionnelle de se maintenir au pouvoir. Il veut insouffler la peur à vous tous. Celui qui osera se mettre sur mon chemin pour me barrer la route subira le sort de Chérubin Okende. C'est ça le mobile. C'est Ngeleka l'assassin. Helmut. Mais Félix se trompe. Félix croit qu'on est encore à l'époque des méthodes de Mobutu. Son père s'était repenti. Mais lui, il a encore l'état. C'est un enfant de Mobutiste. Un de mes amis dit toujours les enfants de Mobutiste. N'oublions pas que son père a participé à l'assassinat de Lumumba. Et tu sais qu'il dit d'heureuse mémoire que mais l'histoire retiendra que tu sais qu'il dit. Étienne a traité Lumumba de crapaud. Son père a trempé sa main. Il est mort avec le sang de Lumumba. N'oublions pas que son père a assassiné les gens de les martyrs, le stade des martyrs, les Kimba, les Mahamba et les autres. C'est son père, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, qui a justifié cet assassinat-là. Le père de ces jouisseurs de Ngeleka ici. Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Ngeleka croit qu'on est à cette époque-là. Pourquoi? Parce que son père
amis de Mobutu, estimaient que pour rester au pouvoir, il faut insuffler la peur. Ils ont conseillé à Mobutu de tuer les gens. Mais nous sommes aux années 60. Nous sommes aux années 60, monsieur. Là, nous sommes en 2023. L'histoire de ce pays a évolué. Les mentalités ont évolué. Vous pensez intimider les gens. Vous vous trompez. Vous tuez aujourd'hui Chérubin Okende. D'autres Chérubins sortiront. D'autres Chérubins sortiront. Regardez ce qu'il a fait hier à Lubumbashi. Il a fait sortir des... char de combat. Il a fait circuler, n'a venu Saint-Douana, n'a venu Kassavoubou, ma char, ma militaire, il veut intimider les gens. Mais tu es fort, ça fait plus, tout comme qu'aucun de deux ans, les M23 occupent chez nous, envoie ses chars dans l'Est de la République, monsieur. Au Fandia, aux Oromé, la Tembo, la Chivas, na Ruina, aux Akomé, aux Oromé, la Foufou, Foufou, na Foufou, papa, au Komiko Mabatou, et le Mouta Komiko Mabatou, c'est un assassin, Ngeleka, à Komiko Mabatou. Azo comme là-bas, ruinard, n'a pas tembo, n'a pas tivas, ah, nanine. Les gens sont en train de mourir, mes frères. Il veut sortir les biceps, montrer aux gens qu'il est fort. Il veut circuler les chars de combat à Lubumbashi, en train de monter, en train de descendre. Mais ça fait plus de deux ans que les M23 est chez nous, les ADF tuent chez nous. Nous avons les Mobondo ici, ah, na bandoundou. Les Mobondo tuent. Au bas Congo vers l'Ouest là-bas, il y a des guerres. À Kinshasa, il y a des kidnappeurs, il y a des ceci. Bachar Wana, et quoi aussi ça mobondoté. Bachar Wana, et quoi que Kendo Kanga, Wilingo Maté. Il veut intimider les gens. Il vous montre les chars. Après maintenant, il commence à vous assassiner. Il pense qu'il peut se maintenir au pouvoir. Comme à l'époque de ses pères, les Mobutu. Son père, n'oublions pas que c'était un ancien Mobutiste. À leur époque, ils ont tué les gens quand ils sont arrivés au pouvoir. Son père a participé à l'assassinat de Lumumba. Son père. Heureusement pour lui qu'au début des années 80, il s'est repenti en choisissant la bonne voie. Mais le fils Mobutiste est tout, a toujours le sang de Mobutu. Et Etienne Tshisekedi a le sang de Lumumba dans ses mains. Et Etienne Tshisekedi a participé à l'assassinat de Kimba, les martyrs. Là, on a construit le stade des martyrs. N'oubliez pas que les Kimba et les Mahamba et les Anani étaient pendus là. Qui était là pour participer? Qui avait justifié? Etienne Tshisekedi, le fils d'Elmu, le père d'Elmu Tengeleka. C'est dans leur ADN. Les Mobutistes. Son père était Mobutiste. Son père s'est repenti en 80. Le fils, lui, il a toujours le sang de Mobutu. Regardez comment il se comporte au pouvoir. Il croit qu'il est Manda. Il croit qu'il est Konga. Tous les voyages, comment il s'habille. Il était en Belgique là-bas. Il n'avait même pas de basket. Mais il voyait les mandats Mobutu, il voyait les Saddam Hussein en train de monter. Comme il a les sang des Mobutistes, au lieu d'aller étudier, il n'a pas étudié, il rêvait de ça. Passer ses temps dans les rues de Bruxelles en train de boire, se promener, il rêvait de ça. Il rêvait de ça. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, Mobutiste descend dans son ADN qu'il est, il veut répercuter, refaire ce que les mandats Mobutu faisaient, ce que le Kungulu Mobutu faisait. Ce que le Kungulu faisait. Il veut répercuter ça. Ce que le Kungulu Mobutu faisait. Et là, il vient de tuer Chérubin Okende. Il se trompe. Mes chers frères, ce sont les signes de la fin. Ne vous inquiétez pas. Ngeleka que vous voyez là, Elmout, les jouisseurs, l'incompétent, vous ne les reverrez plus. C'est comme disaient les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Ngeleka est à sa fin. Ce sont les signes de la fin. Ngeleka avec la mort de Chérubin Okende. Il vient de signer son glas. C'est fini. Il vient de sonner lui-même personnellement le glas. Ainsi sonna le glas de l'Angélecratie, de l'Angéleka sphère. Il paiera cette mort. Il le paiera. Sa fin risque d'être tragique, mais sa fin est déjà à la porte. Ngeleka se trompe. La fin. Kalamingi te azoro kende. Mangwingwi. Azoro sala mangwingwi bandeko. Mangwingwi. Mangwingwi. Quatre ans au pouvoir. Nullité sur nullité. Zéro sur zéro. Zéro sur zéro. Aucune amélioration. Aucune avancée. La République est en miettes aujourd'hui. Kinshasa n'est plus vivable. Même les simples embouteillages, l'incompétent Ngeleka ne sait pas l'arranger. Aujourd'hui, les pouvoirs, ils ne contrôlent plus rien. Les pouvoirs à des pôles. Kuna, Denis Nyakirona Batunaye. Ntumba Batunaye.
La République est en miettes. Et il pense qu'en tuant les gens, il pense qu'en intimidant les gens, il va arriver. Il se trompe. Il se trompe. Dès le cas, il mout. Et loko sali. Makila ya Chéribin Okende ko ganga na mutu na yo. Makila ya Chéribin Okende et ali na mutu ya ilmut ngeleka. Makila ya Chéribin. Pourquoi je rigole? 2 heures, je me rends compte que je parle depuis 2 heures. Makila ya Chéribin Okende et ali na mutu ya ilmut ngeleka. Mes chers frères, toute ma pensée, toute mon admiration, mon estime, toute ma solidarité à la famille de Chéribin Okende, un grand frère que j'ai connu personnellement. J'ai fait des choses avec Chéribin Okende. Dans ce pays-là, ça fait presque 20 ans que je suis journaliste. J'ai vu des gens. Chéribin était un homme pacifique, un intellectuel. Félix n'a pas les niveaux de Chéribin Okende. Non. Félix n'a aucun diplôme. Chéribin pouvait se faire prévaloir de son intelligence et de ses diplômes. Ôter la vie à un père de famille, de cette manière-là, avec autant de brutalité, vous allez jeter les corps. Dieu est juste. Et le monde est juste aussi. Ngeleka. Nabengio combien de fois? Ngeleka. Elmout. Nabengio combien de fois? Elmout Ngeleka. Elmout. Nabengio combien de fois? Machima pata ou baluba balubaka. Matoui mangouingu wana. Okufuta ngou kalamingite. Bokanga mamna loba. Il va payer. Ya mangungu. Il impressionne personne. Il paiera ce qu'il est en train de faire. Et très bientôt. Ses jours sont comptés. Ses jours au pouvoir sont comptés. Les jours de ce monsieur sont comptés. Bon, peut ça a raison. Bon, ça va image. Allez. C'est triste ce qui est arrivé, mais bon. Quand des gens qui n'ont aucun niveau arrivent à des fonctions importantes, on ne peut qu'attendre de vivre ce genre de choses. Mais ne baissons pas les flancs. Mettons-nous debout. Battons-nous pour sauver le pays entre les mains inexpertes. Les mains incompétentes de ce Telmout Ngeleka. Merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, condoléances à la famille de Chéribin Okende et que son âme repose en paix. Retrouvons-nous pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.